Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui un nouveau tour de magie expliqué, alors tour de magie réservé aux membres premium. Vous allez voir une petite pépite, une méthode encore incroyable qui va vous permettre de retrouver une carte choisie par le spectateur dans des conditions impossibles. Franchement, j'adore. Comme d'hab, je vous fais la démo et pour ceux qui sont intéressés par l'explication de ce tour, les liens sont dans la description. Comme d'hab, n'oubliez pas de me lâcher le gros pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo, les réseaux sociaux. Abonnez-vous pour ceux qui n'ont pas fait. Et pour tout le monde, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des vidéos que je mets en ligne chaque semaine. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la démo et pour ce tour avec un jeu de cartes. En fait, c'est pas vous qui allez manipuler les cartes, mais c'est le spectateur. C'est ça qui renforce l'effet d'impossibilité. Donc en fait, vous lui tendez le jeu et vous allez lui demander tout simplement de couper le jeu. Donc vous pouvez vous retourner dès maintenant, vous vous retournez. Comme ça, vous ne voyez absolument rien à ce que fait le spectateur. Hein. Donc il coupe le jeu, voilà, il prend le paquet qu'il a coupé, et vous allez lui demander de distribuer les cartes une à une en une rangée de cartes. Donc il va faire autant de paquets qu'il veut, en fait il peut en faire 3, il peut en faire 4, 5, 6, 7, 8, peu importe, vraiment c'est son choix. Vous ne saurez pas le nombre de paquets qu'il a fait, et il distribue les cartes une par une jusqu'à épuisement des cartes qu'il a en main. Donc voilà, imaginons qu'on fasse comme ça, là j'en fais 5, voilà, et il aurait pu en faire 4 ou 6, peu importe, hein. Moi, le magicien, à ce moment-là, je suis tourné, et je ne sais absolument pas ce que fait le spectateur, hein. Donc là il a fait ça. Là, à ce moment-là, toujours tourné, vous lui demandez de prendre le paquet qui se trouve juste ici à sa droite, comme ceci, et de prendre connaissance de la carte qui se trouve en dessous. Alors regardez, moi je ne la regarde pas, hein, là, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc moi normalement je suis tourné, voilà, le spectateur prend connaissance de cette carte, parfait. Là il mélange ces cartes là, voilà. Et ensuite on reconstitue le tout comme il veut, hein, paquet sur paquet, dans n'importe quel ordre. Voilà, comme ceci, parfait. Et ensuite il récupère l'autre paquet et là il fait un mélange ensemble à l'américaine, comme ceci. Voilà, au moins on est sûr que les cartes soient toutes mélangées. Et là il repose le jeu et moi je me retourne. Donc on est d'accord que pour le magicien, dans ces conditions, trouver la carte du spectateur, c'est impossible, hein, on est bien d'accord. Pourtant, là le magicien, parce que toutes les cartes, on peut voir, elles sont toutes mélangées, hein. Pourtant, croyez-le ou non, là, le magicien est capable d'annoncer que la carte choisie par le spectateur est le 6 de cœur. Pourtant, j'ai absolument pas regardé le retour vidéo ni rien, hein, vraiment, je vous le dis. Ça se passe comme ça, c'est aussi clean. Donc là, la carte choisie, c'est le 6 de cœur. Donc à vous derrière de faire une révélation de votre choix. Mais voilà, c'est très fort, c'est très bluffant. Dans ces conditions, pour moi, je trouve, quand j'ai vu ce tour, j'ai dit c'est impossible. Et pourtant, la méthode est incroyable. Donc voilà.